Hawumboro Tuli Sende Tuli Unhawumboro Ratu Dine l'Islam Untona Songori Kwiki Seseyo Umbakuma Seseyora Umbakuma Alanana Umbakuma Alafedan Kali Yisungori Mansabara Umanga Baku Alanana Horogodi Songori Horogo Kifa c'est pas facile du tout. Mais Alana Awongasum Asongori Nwoli Dunia Wonyalangi Awongasum Asongori Ndendeli Dunia Bende Funi Fari Iyalangi Erasum Musulumidi. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui nous allons nous parler des erreurs que nous commettons durant le mois de Ramadan. C'est pas facile, hein? Et c'est très bien si réellement là où vous vous trouvez maintenant là, vous êtes en train de souffrir. C'est-à-dire la souffrance, quelle est cette souffrance? La souffrance d'avoir délaissé, c'est-à-dire d'avoir délaissé de manger, de boire. Depuis le matin, nous sommes aujourd'hui au milieu du soleil. Et ce milieu de soleil, en Afrique en général, nous savons qu'il fait chaud. Et ce n'est pas facile de gêner de ce rythme qu'Allah nous facilite, qu'Allah augmente nos foi en lui. Donc, Somori Aororo quoi, Amu Bororo, Ombira Kolom, Aororo Onere Birima, qu'Allah fasse que Aororo Ombe. Donc, Onere Renan Abama, comme tout à l'heure, comme hier. On s'est rappelé sur beaucoup de choses pendant ce mois de Ramadan. Il faut qu'on s'écoute. Il faut que Wanga Womboro Ruyame. Il faut qu'on s'écoute. Il faut que Wanga Womboro Ruyame. C'est très important. Rien ni personne ne dépasse notre religion, ne dépasse notre créateur Allah Azza wa Jalla. C'est Seyomu Dengara. On doit l'aimer plus que tout au monde. On doit l'aimer plus que quiconque. On doit l'adorer plus que quiconque. Et on doit être là quand on parle de lui. On doit faire passer sa parole. Donc, avant de commencer de dire les erreurs, le jeûne du Ramadan. Qu'est-ce que ça signifie, le Ramadan? Parce que beaucoup de jeunes ne savent pas qu'est-ce que le Ramadan signifie. Le jeûne du Ramadan, signification en islam, jeûner signifie vouer un culte à Allah en s'abstenant et en s'interdisant de manger et de boire et de s'adonner aux autres causes d'annulation du jeûne depuis le lever de l'aube coïncidant avec l'appel à la prière du Fajr jusqu'au coucher du soleil coïncidant à l'appel de la prière de Maghrib. Donc la signification du Ramadan nous dit: en islam, c'est vouer un culte à Allah en s'abstenant et en s'interdisant de manger, de boire et de s'adonner aux autres causes d'annulation de jeûne. Depuis le lever de l'aube, coïncidant à l'appel de la prière de Fajr, jusqu'au coucher du soleil, coïncidant à l'appel à la prière de Maghrib. Ça, c'est ça qui signifie le Ramadan pour nous. Maintenant, les mérites du Ramadan. Le Ramadan est le 9e mois du calendrier lunaire musulman. Il est le meilleur mois de l'année, car Allah l'a favorisé en le donnant de nombreuses caractéristiques, notamment, c'est le mois qu'Allah a choisi pour élever
son livre, Al-Qur'an, la voix que je suis en train de vous dire. Son livre le plus important et le plus illustre, à savoir le noble Qur'an. Donc, Allah dit, le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Qur'an a été relevé en tant que guide pour les hommes et en tant qu'exposé clair, montrant la bonne direction et permettant le discernement. Je reprends. Allah dit, le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été révélé en tant que guide pour les hommes et en tant qu'exposé clair, montrant la bonne direction et permettant le discernement. Quiconque d'entre vous est témoin de l'arrivée du mois de Ramadan, qu'il le gêne. Ça, c'est un verset du Sourate Al-Baqara, verset 85 du Sourate Al-Baqara. Donc, le Ramadan veut nous dire quoi? Soumari Moussa Falaroumbe. Assouni nous dende le dunye, iyalangri era assoum. Assouni nous dende le dunye, iyalangri era assoum. Maintenant, wanta moussouloumé, khairi belebele barafa wombe, fe belebele barafa wombe, abara wole yisongori ira. Iyalangri, ikenderi. Wumbira akolum, songori, fe fanyi nara, fe belebele nara. Allah, ka fe belebele nara. Allah, al-Qur'an ragurugi, songori nankwi. Donc, ato al-Qur'an ragurugi, songori kwi. Wona kolon afalari akike yo mufisa songori kikebe ala batui munyahum amufan kike yora songori kikebe. Donc womu sera bama songori kike nali woyita kungoborora woyita kungoborora wo video ta kongo borora wo ngala kuira nyere wo mundanga mu kuira nyere fe wo ngala na kuira nyere fe wo nga ala kuira nyere o ma to munna fala mana namba khamiri ala khali sungori nara mire mu intéresser dinema khali sungori mire mu intéresser dinema wo ntanya ko si duniye mire ka wonsa ka wandi malara fo wo mfa lo ko edi me a gorgo ba shetane wo ntule ra sugo avant tous les souris. Donc, l'importance du mois de Ramadan, nous le savons tous. C'est ce mois que Allah a fait descendre le Coran sur terre. C'est ce mois que Allah a dit que quiconque le vénère, l'adore, accomplisse les prières du mois de Ramadan, wallahi billahi, que la personne s'est encore plus rapprochée de lui. Imaginez, Allah a dit, quiconque jeûne une journée, même si ce n'est pas de le Ramadan, quiconque parmi nous, jeûne une journée, et c'est-à-dire s'est éloigné de l'enfer pendant 70 ans. Quiconque jeûne une journée, ce n'est pas le Ramadan, s'est éloigné de Dieu pendant 70 ans. Quiconque jeûne une journée, c'est-à-dire ce n'est pas le Ramadan, c'est juste une journée à laquelle tu as décidé de t'abstenir de manger, de t'abstenir
de boire, de t'abstenir de mentir, de t'abstenir de faire ce que l'islam interdit. Quiconque décide de jeûner une seule journée s'est éloigné de l'enfer pendant 70 ans. La distance de 70 ans. Imaginez cela. Donc, maintenant, nous nous trouvons pendant ce mois béni de Ramadan. Nous sommes pendant ce mois béni de Ramadan. Allahu Akbar. Imaginez, nous allons jeûner 30 jours. 30 jours. Nous allons jeûner 30 jours. Et que Allah a dit, quiconque jeûne une seule journée, ce n'est pas le Ramadan, en s'abstenant de manger et de boire pendant le Ramadan, c'est t'éloigner de l'enfer pendant une distance de 70 ans entre lui et l'enfer se pose. Pourquoi on ne va pas jeûner pendant 30 jours? 30 jours. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc, ce Ramadan, on doit se fixer des objectifs. Ces objectifs-là, c'est quoi? Ah, le Ramadan ne vient pas seulement, tu vas changer d'habillement. Par exemple, tu t'habilles en boubou, tu mets tes pantalons à la maison, tu mets tes perruques, tes mèches à la maison, tu mets tous tes habits que tu portais avant le Ramadan, tu mets à la maison, tu prends les photos, tu postes pour que les gens disent que oui, ah, c'est le Ramadan, elle a changé d'habillement. Le Ramadan ne veut pas dire cela. Le Ramadan, nous devons nous fixer des objectifs. Ces objectifs que nous devons nous fixer pour chaque Ramadan, pour un musulman, doit se fixer un objectif. Ah, le Ramadan passé, j'ai fait des prières. Le Ramadan passé, j'ai jeûné, mais j'ai pas tout jeûné. Le Ramadan passé, je jeûnais, mais je mentais, je trompais les gens, je faisais des choses que Allah a interdit pendant le Ramadan. Non. Nous devons nous fixer des objectifs. Ces objectifs sont quoi? Ah, l'année là, j'étais menteur, j'étais dans les bars, j'étais voleur, j'étais quelqu'un qui faisait la fornication. Maintenant, le Ramadan qui vient là, ce Ramadan là, je vais accomplir ces prières. Je vais accomplir ces prières pour que Allah me pardonne les péchés que j'ai commis avant ce Ramadan. Et je me fixe l'objectif d'arrêter de fumer de la drogue, d'arrêter de boire de l'alcool, d'arrêter d'insulter les gens et d'arrêter de mentir sur les gens. Parce que ton travail, c'est de mentir sur les gens parce que ça te plaît de mentir sur les gens et que tu trouves ça un travail pour toi. Faire des faux témoignages sur les gens. Tu es là, assis. Tu n'aimes pas seulement la tête d'une seule personne et tu vois la personne passer. Tu dis, ah, lui ou elle, elle est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça. C'est ton travail. Tu dois te fixer des objectifs en disant que oui, le Ramadan là, je dois délaisser ça. Le Ramadan ne signifie pas seulement, bon, tu ne bois pas l'eau toute la journée, tu ne manges pas toute la journée. Non, ce n'est pas ça seulement le Ramadan. La définition du Ramadan, c'est cela. Maintenant, les mérites du Ramadan, on les obtient comment? On les obtient en délaissant nos mauvaises habitudes du passé. Nos mauvaises habitudes qu'on faisait avant. Par exemple, j'étais menteur, j'étais voleur, j'étais bandit, j'étais dans la rue.
J'insultais n'importe comment. Ce ramadan, je me fixe cet objectif de ne plus mentir, de ne plus voler, de ne plus tricher, de ne plus aller dans les bars. Ce n'est pas seulement à se dire que oui, ah, le ramadan est venu, j'arrête quelque temps, c'est juste un mois. Beaucoup parmi nous sont assises, attendent la fin du ramadan. Beaucoup parmi nous commettent des erreurs en disant que le ramadan, c'est seulement la journée. Alors que le ramadan, c'est 24 heures sur 24, on doit jeûner tout au long du ramadan, que ce soit le jour ou la nuit. Beaucoup parmi nous aujourd'hui, la jeunesse, se permettent avec leurs copines, avec leurs copains, en se disant que oui, on peut parler que la nuit. Allahu Akbar. Nos accomplissements de prière que nous allons faire pendant ces mois, ce mois saint de Ramadan, nous nous attendons à avoir les mérites. Mais Allah dit, quiconque s'abstienne, c'est-à-dire quiconque s'abstienne de ne pas manger, de ne pas boire pendant le mois de Ramadan, mais qui ne délaisse pas ses mauvaises habitudes, cette personne s'est abstenue inutilement, c'est-à-dire il y a fait une caméra. Soumari Barali, Ibarasum, Emoudegeri, Emouye Mengri, Emousesera Bari, Nara Niema, Iredege Furi Rairex, Iredege Aloudere Ridegere Janere. Maintenant, Ibarasum, Etobarasum, Inera Anna Souni, Kono Eoule Falafi, Kono Imere Kombife, Kono Imere Mafalafi, Kono Objectif mundu neki. Nta ngule vale na nunana, nta bandi na nunana, nta bandi ya nunana na bama, bandi kame, bandi gine, nta numere nang wule nan sama mere hum, nta mere nang rafe kanama. Sungwari na alima, ila maika objektif nan fikse yete kambe. Inere, ah, nto sigama yibaru kuinu, gisungwari toi aliriki, nisungwari sumane na sali eraba. Nanye terek bila alama. Ala ka yulu be khafari. Kono nabar tan sono. Musika mameni tan sono. Alama yi gana objektif yi nan fikse. Yi te kambe. Sou mwari nou bara. Eto musika gana bar ku. Ito bara na wulelu. Ito bara na mounyelu. E bara ti dine kirama. E bara ti dine kirama. Donc, objektif yo objektif. Sa doua. Être pour chacun de nous comme ça. Tu t'es fixé un objectif. Le ramadan, on doit se fixer cet objectif. Tu as accompli cet objectif. Cet objectif a été atteint. Ah, tu as passé ton ramadan, tu n'as pas menti, tu n'as pas volé, tu n'as pas triché, tu n'as pas dénigré quelqu'un. Tu n'as pas haï quelqu'un, tu as passé ton ramadan le cœur ouvert. Allah va accepter ton repentir et effacer tes péchés. Mais quiconque jeûne pendant le mois de ramadan, dénigre son prochain, ment, vole, triche, fait la fornication, Allah dit que cette personne passe seulement sa journée à ne pas boire ou à ne pas manger. Inutilement, parce que tu n'auras aucune hasanat venant de lui et que tu ne feras que doubler ou tripler tes péchés. Doubler ou tripler tes péchés. Allahu Akbar. Qu'Allah nous facilite. Oui, nous avons tous fait des erreurs dans nos vies. Nous avons tous fait
beaucoup de choses avant de se repentir, plein de choses. Personne n'est parfait. Mais il n'est pas impossible pour toi de te repentir, de demander pardon à Allah, de délaisser ces choses. Nous sommes tous pécheurs. Nous le sommes tous. Personne n'est parfait. Maintenant, il n'est pas interdit pour toi ou il n'est pas quelque chose de bizarre pour toi de ne pas délaisser ces mauvaises habitudes, de ne pas délaisser ces fausses actions. Donc, les erreurs, la première des erreurs, parce que tout à l'heure, il y a une sœur qui m'a appelé, elle m'a posé la question en me demandant qu'elle a trop mangé, et que en longueur de journée, le manger lui remonte la gorge. Le manger lui remonte la gorge. Je lui ai conseillé directement de ne plus le faire. Le mois de Ramadan ne veut pas dire de trop manger pour ne pas que tu souffres dans la journée. Sumwari idege ilamanama. Imuidege mahera bimbing. Sumamu la maha garandin. Sumana dege afanira. Inaka dege ilama. En général, sumaya mu garandima. Sumamu garandima. Wallahi billahi tallahi. Sumamu garandima. Merina hana sui. La personne qui est en jeûne, qui a bien mangé, vous êtes en jeûne comme ça, vous êtes en train de me regarder. Mais vous allez remarquer que une personne qui a bien mangé, qui est en jeûne, le manger ne lui remonte pas la gorge. Soumamou garandima. Donc, quiconque prend des mangers, tu manges la salade par-ci, tu manges le riz par-là, tu manges les spaghettis, tu manges tout, pour ne pas que la journée soit dure pour toi. Toi, tu n'es pas en train de jeûner, tu es en train de te faire souffrir. Parce que le manger ne doit jamais remonter à la gorge d'une personne qui est en jeûne. Soumamou garandima. Donc, qu'est-ce qu'on doit se mettre en tête? On doit manger normalement, correctement. Et là où tu sens que réellement tu es rassasié, ne pas dépasser la limite. Là, tu as senti que oui, tu es rassasié, ça va, c'est bon. Dis Alhamdulillah, Rabbil Alamin, bois de l'eau. Le reste, c'est entre les mains d'Allah, de ton Créateur. Mais, il y a de ces gens qui vont s'apercevoir que réellement, ils sont rassasiés. C'est bon, le ventre est plein. Mais qui se forcent encore à manger, Si vos ventres se ballonnent, si le manger te remonte à la gorge, sache que toi, ton ramadan, ton jeûne là, n'est pas clair. Tu t'es fait souffrir. Il faudra rattraper ça. Ça, c'est clair et net. Donc, nous devons manger à nous, c'est-à-dire au niveau que le ventre c'est dit que oui, c'est bon. Vraiment, on peut manger jusqu'à telle partie, le ventre a dit c'est bon. Tu t'assois, tu dis c'est bon, c'est fini. Maintenant, deuxième erreur que nous commettons. Il y a des gens, je connais des gens. Wallahi billahi. Qui n'ont nulle autre habitude pendant le mois de Ramadan que de dormir dans la journée.
Ces personnes-là, ils ne sont pas éveillés la journée. Ces personnes-là, tu ne les verras pas pendant la journée. Et ces personnes-là se réclament des personnes qui sont en jeûne. Allahu Akbar. Ces personnes se réclament des personnes jeûneurs. Mais après la prière de Fajr, une fois qu'il finit de manger, c'est les personnes-là qui sont les premiers à venir manger, à venir prendre le déjeuner devant les vraies personnes, c'est-à-dire les vrais gens qui ont jeûné. Les vrais gens qui ont jeûné, les faux jeûneurs là ont encore plus faim, ont encore plus envie de manger que les personnes, les vrais jeûneurs. Lui, il se lève le matin, vers 4 heures du matin, il vient, il mange tout ce qu'il y a à manger là-bas. Il laisse un peu seulement pour les personnes qui doivent jeûner correctement. Il ou elle mange tout ça là. Donc, Wunufa, Souba Ressalide, la personne disparaît. Maintenant, la personne finit de manger, vous ne la verrez même pas manger. Elle disparaît pendant la prière de Fajr. Asobangé quoi à ça? Akeli dondoronti? Amanigama à ça? Toute la journée, la personne passera toute la journée à dormir. Toute la journée. Tu ne verras pas la personne prier. Tu ne la verras pas, sauf la prière de Maghrib. Quand on dit maintenant, il est l'heure de venir couper les gens. Ces personnes-là, vous vous trompez vous-même. Ces personnes-là, vous vous trompez vous-même. Leur argument, c'est quoi? Leur argument, c'est quoi? Leur argument, c'est de dire que, ah, le jeûne a sa récompense, la prière a sa récompense. Et l'argument, c'est quoi? Et à même année, Salibara inana, sunibara inana. C'est faux. Salibara inana, sunibara inana. Suma yora sunimu tongori imu salima. Alamu, suma yora sunitongori imu salima. Je dis ça haut et fort à qui veut l'entendre. Et je mets en défi. Si tu dis que tu ne crois pas à ce que je te dis, Dieu ne prend en compte aucun jeûneur qui ne prie pas. Aucun jeûneur qui ne prie pas. Dieu ne prend jamais son jeûne en compte. Parce que la première des choses dans l'islam, c'est as-salat, la prière. Pour que Dieu accepte ton jeûne, il faut d'abord faire la repentie entre toi et Dieu. Cette repentie, qu'est-ce qui doit l'accompagner? C'est la prière. Quand tu demandes à Dieu, oui, Allah, pardonne-moi les mauvaises habitudes que je faisais auparavant. Je ne vais plus les commettre. Donne-moi la possibilité d'être sur le droit chemin. Toute cette réflexion-là, toute cette prise de conscience-là, qu'est-ce qui doit la piloter? C'est la prière, la salat. Et ta ma fala ma de, eh ben, y'a t'a bila la ma. Ah, m'ta m'bara toubi, m'bara y'a t'a bila, m'oule fala ma sonon, m'ouyati ma sonon, m'oubandi araba ma sonon. Moubandigine yaraba masono. Eri mahiridoma seulement pour faire l'habit
et le moine, c'est-à-dire pour faire, pour porter l'habit du moine. Non! Ta prise de conscience, ta réflexion doivent être pilotées par quoi? À salat, la prière. Donc, quiconque est couché à la maison pendant ce mois béni, saint de Ramadan, qui n'accomplisse pas les cinq prières obligatoires, à plus forte raison, les nafila, jusqu'à les riyam ul-layl, les prières de nuit, sache que Dieu ne prend pas en compte tes jeûnes. Toi, tu ne fais que passer la journée dans la faim, à te faire souffrir, sans boire, sans manger. Laisse les faux arguments qu'on te raconte en te disant que oui, la prière a sa récompense, le jeûne a sa récompense. Nende afalama ibe, asalibaraina, sumorira par, asunivambaraina, akanyibare trompe, la personne t'a trompé. Abare madahu. Nta afala ibe. Abare madahu. Allah khamiriha fe tongo. Allah khaira salito. C'est-à-dire, arrera sunyi tongo. Mounsesar nafari. Ira sali. Ira farla salu souli. Obligatoire nansar nafari. Connaitant, et qu'on nous reçoit pas rien à ma. Mais il reçoit ma fanira. Et sunyira barra. A ken, a qui non a ken yama. Et don se donne birinyara. Soubara salide nous façon. Et moutouma. Et soubangé kouyisa. Est en kotari. Est en erreur éléphant. Est en erreurabi. Kono i yetenam madarofe. Ba, iye tena na feyen fe kamera, iye tena na feyen fe ye kwalira, ala khae mirasu nima to, akhae mirasu nima tina, akhae mirasu nima kwe, akhae mirasu nima yanyi. Ema mfanyo nubi soto, ba, inu siga, mirine re sungra a kino a kenyama, ni la mwe radonse na khandung, ita man singe siga, isa na dodne biru nkumma, isa na randi soto masono, a hur di dinara. Ni ne rambiri soto masono ahur dinara ahur dinara ahur di donc eto musungi akino akenyama iye te kan na feyen kamera iye te kan na feyen yokolira et en kotar et en yarabi et en kharilifan et nous bis soto merera ne resungri a ki no a kenyama, ifa iye radonse don a birindu rouma. A birindu rouma. A tana mere, ne re moussali ma songwali man neki, ne re fenyam me sari, ne re fenyam me dore, telemato ma seri. Je l'ai dit hier. Ah, j'ai pas regardé la série là, je vais la regarder durant tout le Ramadan. Comme ça, je vais faire passer le temps sur le Ramadan. Ça, c'est des erreurs. Un musulman ne doit pas faire passer le temps sur le Ramadan. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu nous guide sur le droit chemin. Quand on a la foi, quand on a la foi et qu'on est croyant à 1000% même, jamais on ne sera pressé que le Ramadan passe vite. Wallahi billahi tallahi. Musulmi nous finit. Musulmi kendera. Et d'un renyar alama. Et moubata ma son roi rasiga. Ton rêve sera pour toi quoi? Eh, que Dieu fasse que le Ramadan la dure. Le Ramadan la dure. C'est pourquoi beaucoup de personnes, même si ce n'est pas le Ramadan, prennent la peine de jeûner les lundis, les jeudis, les dimanches. Il y en a qui gênent le vendredi. Pourquoi? Parce que Allah a dit, quiconque gêne une journée, même si ce n'est pas le Ramadan, prend la, c'est-à-dire met la distance de 70 années entre lui et l'enfer. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc, imagine, toi, ce mois,
où tu dois prendre des bénédictions, où tu dois effacer tous tes péchés. Depuis, tu te dis, ah, toi, tu es éveillé, toi, tu es chez cet pays, tu as la nationalité, tu gagnes de l'argent, tu vis comme tu veux. Oui, maintenant, à longueur de journée, tu vois, tous les jours, les gens sont en train de mourir. Tous les jours, les gens sont en train de mourir. Ce n'est pas être maligne. Ce n'est pas être intelligent. On ne peut pas tromper Dieu. Donc, j'ai dit à ces personnes, haut et fort, que la repentie d'un musulman, la prise de conscience d'un musulman envers son Seigneur, Allah Jawajal, doit être pilotée de quoi? Pour que tu sois d'accord avec Allah Jawajal, ton Créateur. C'est As-Salat, l'accomplissement des cinq prières. As-Salat. Imagine pour un musulman qui ne prie pas une journée, deux journées, trois journées, il n'y a plus de lien correct entre toi et ton Seigneur, Allah Jawajal. Maintenant, étant Issa Sarinegi, Andesanam Matove, Aha téléphone, Massarinegi, Asadema, Amoussalife. Amoussalife. Asrnaliya, ou bien Asr Toubarasali, Borinde, Maiki. Bori Barakeli, Barasali, Tansar. Ben, il était la fin, il fait caméra. Arrête de te faire souffrir toi-même. Parce que Allah ne prendra jamais le genre d'une personne qui ne prie pas les cinq prières obligatoires. Je vous dis et je vous répète, quiconque, c'est-à-dire quel que soit le savant ou quel que soit le karamou qui vous dit que le jeûne a sa bénédiction à part et le ramadan est la prière a sa bénédiction à part, il vous a trompé. Pour que Allah prenne ton jeûne en compte, il faut d'abord que tu sois en bonne communion avec lui. La bonne communion avec Allah signifie quoi? Signifie de prier, de l'adorer, de délaisser les mauvaises habitudes. Maintenant, itam, sonwari tobara ali. Imere nan kombima, benu sonwari ali. Iman mere kombife. Ira inbox et puis, ira message et puis, toujours imere kombife. Ira inbox et puis, ira message et puis, inon rame wema. Wofi falama, naram finir fe kobera. Wofoto ira dengima, naram finir photo kobera. Iyetena na fin fe kamera. Soumari toi lire. Ira kata al Quran karandi. Khal français là. Ira na livre di sara. Asare yo mo korko. E fando ko ina kare tantong ko ina ina kara. Pour purifier ton âme. Purifier ton âme. Parce que le jour du jugement dernier. Al Quran. Anou soumari. Le Coran. Le Saint Coran. Et le Ramadan. Le mois saint de Ramadan. Viendront s'arrêter à côté de toi. Oui. Viendront s'arrêter à côté de toi. Le Coran parlera en ta faveur. Le Ramadan parlera en ta faveur. Et Dieu, lui, quand il était vivant, quand j'arrivais là, quand le moment de jeûner arrivait là, lui, il faisait tout. Il jeûnait. Le Coran aussi dira, hé Allah, quand le Ramadan était là, même si ce n'était pas le Ramadan, lui, il me lisait. Mais nous, Africains, qu'est-ce que les Occidentaux disent de nous? Il est rare que nous n'aimons pas la lecture. On n'aime pas la lecture. Nous aimons tellement la facilité des choses. Écoutez le Coran, c'est bien.
Écouter le Coran, c'est bien. Mais la lire est meilleure. La lire est meilleure. Wallah billah. Lire le Coran, augmente ta connaissance et lire le Coran purifie ton cerveau. Mémoire, fagne lui. Tu auras une bonne mémoire. Lire le Coran. Wallah billah ta'Allah. Lire le Coran. En sept temps de rapide changement. Beaucoup sont parmi nous. Vous oubliez vite actuellement. Vous oubliez vite. Tu peux parler avec quelqu'un de quelque chose le matin. D'ici le soir, tu oublies. Ou tu dois faire quelque chose avec quelqu'un, tu oublies. Pose-toi la question. L'entraînement du cerveau, c'est de lire le Coran et le Karim. L'entraînement du cerveau, faire le sport, aller au jogging. Et toi, c'est comme un sport, si tu fais le jogging, c'est pour mettre ton corps en bon état. Maintenant, pour mettre ton cerveau, pour que ton cerveau soit purifié, pour que ton cerveau a une bonne mémoire de durabilité, lis le Coran. Wallahi billahi ta'Allah. Ton cerveau sera clair comme si tu étais né aujourd'hui, comme un nouveau-né. Demande aux plus grands savants qui connaissent le Coran et le Karim. Lire le Coran. Pourquoi ne pas lire le Coran? Mais on constate à notre époque que la majeure partie de la jeunesse aujourd'hui préfère écouter le Coran. Et puis, un petit moment, une minute, deux minutes, il a le Coran dans son téléphone. Il a aussi les photos bizarres dans son téléphone. La même partie qu'il joue le Coran, c'est cette même partie qu'il y a ces photos bizarres. Allah Akbar. Qu'Allah nous pardonne, qu'il nous facilite. Donc, je vous dis et je vous redis que Allah ne prendra jamais le jeûne d'une personne qui ne prie pas pendant le mois de Ramadan. C'est exclu. Donc, nous devons, la première des choses, laisser ces erreurs-là. De trop manger pour ne pas que le Ramadan, le jeûne te fait trop souffrir. Ne pas prier durant la journée de Ramadan. Seulement, tu te lèves pour prier Maghrib. Maghrib même, il y a certains qui ne prient pas. Wallah billah. Maghrib même, il y a certains qui ne le prient pas. C'est vrai. Parce que ces personnes-là ont entendu leur père ou leur grand-père qui dit dans un hadith rapporté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par le muslim, pardon, qui a rapporté que le prophète mangeait avant de prier. Maintenant, je vais vous expliquer ce manger-là, ça veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mangeait avant de prier? Quand il était l'heure de couper le jeûne, hein? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait avant de prier. Maintenant, beaucoup, quand l'heure de la prière de Maghrib arrive, ils s'asseyent aussi, ils ne prient pas. Après, ils finissent, ils mangent. Quand ils finissent de manger, là, son ventre est tellement rempli, il ne peut même pas se tenir debout pour dire Allahu Akbar. Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam priait à l'heure de Maghrib, pardon,
Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mangeait avant la prière de Maghrib, avant de faire la prière de Maghrib? Parce que tout simplement, il a dit, un musulman, tu as passé toute la journée à ne pas boire, à ne pas manger. Quelqu'un qui a passé toute la journée à ne pas boire, à ne pas manger. Quand l'heure de la prière arrive, le Maghrib arrive, rien ne traverse l'esprit de cette personne si ce n'est pas le manger. C'est-à-dire, ah, le prophète, Allahu Akbar, qu'Allah nous donne, il ne va pas nous donner son intelligence, qu'Allah nous guide sur le droit chemin pour faire sa sunna. Ça, c'est la sunna du prophète. Le prophète, le Maghrib, il mangeait avant de faire la prière de Maghrib. Fitilina alina miyombe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dege mane siya fitilisali. Iyo. Musema ba anere amirina hambara feyen sunyi. Journée birin. Fitiri nali, et nous fitiri salirate, wombiri atori, et nous fitiri salirate ya. Wombiri ntimane, wonu womatase, wonu womadonse. Parce que c'est ce mouna wonga rilima naleri, wonga wondege ne nanana wonga rilima. Nam yon menere awa, iridege konosia, iridege siya, enu sonu bolo, iridege siya. Il fait tirer sali. Nam yom me rassou nana. A nous man, il m'en tonne ma salide. Et ma rib sali. Et ma gédégué. Maintenant, ces personnes qui ne prient pas, même le Maghrib, peut-être que leur grand-père ou leur père les ont rapporté que oui, ou leur connaissance les ont dit que ah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il mangeait go avant de prier. Maintenant, lui, quand il vient maintenant, tout le monde est en train de prier. Lui, il ne prie pas. Il ne prie pas. Il s'assoit. Il regarde les autres prier. Quand les autres finissent de prier, il mange. Quand il finit de manger, il ne peut même plus se lever pour prier. Allahu Akbar. C'est des mauvaises habitudes. C'est des habitudes que nous ne devrions pas faire. Oui. Des erreurs que nous commettons pendant ce mois de Ramadan. Vous allez voir des personnes qui ne priaient pas avant le mois de Ramadan. Maintenant, la personne-là, il ne priait pas avant le mois de Ramadan. Mais le Ramadan arrive, tu vois la personne changer, métamorphoser, qui ne rate même pas une prière. Fajr, il est là. Zour, il est là. As, il est là. Maghrib, il est là. Incha, il est là. Nafila, il est là. La nuit encore, il se lève pour prier la nuit. Il veille. À l'aube, tu le vois avec le chapelet. Il monte, il descend avec le chapelet. À l'aube. Tu le vois, tu dis, hein, comment, Koro, ou, la sœur, elle a changé, les... Non, ça c'est bien. La personne continue sur ça, en accomplissant toutes ces prières-là. Il prie trop, ou elle prie trop. Il n'a même pas le temps de vous répondre. Cette personne, wallahi billahi, vous verrez cette personne le jour qu'on dira que hein, aujourd'hui c'est la fête de Ramadan. L'Aïd el-Fitr. Après l'Aïd el-Fitr, vous ne verrez plus cette personne à la mosquée. Allahu Akbar. Après l'Aïd el-Fitr, la prière, la grande prière, vous ne verrez plus cette personne à la mosquée. Cette personne,
retournera à ses anciennes occupations. Cette personne retournera à ses anciennes habitudes. Se disant que oui, c'est seulement le mois de Ramadan qu'on doit vénérer, qu'on doit prier Allah. Allahu Akbar, c'est des erreurs. Des erreurs. Comment éviter cela? Comment nous devons l'éviter? Un musulman doit s'efforcer, c'est-à-dire t'efforcer à avoir la maîtrise, je dis bien, la maîtrise des 5 prières obligatoires. Un musulman doit s'efforcer à avoir la maîtrise des 5 prières obligatoires avant le Ramadan. Dans le Ramadan et après le Ramadan. Avant le Ramadan, tu te dis, je suis musulman. Allah me donne l'air, je respire, je monte, je descends, je mange, je bois, je voyage. Je gagne de l'argent. Je fais ce que je veux. Je suis sur les réseaux sociaux. J'ai la bonne femme. J'ai le bon mari. J'ai des beaux enfants. J'ai une bonne famille. En retour, qu'est-ce que toi tu as donné à Allah? Allah t'a donné tout ça. Pose-toi la question. En retour, qu'est-ce que toi tu as donné à Allah? Tu as des beaux enfants qui sont en bonne santé, qui sont dans des bonnes écoles de cette dunya d'ici-bas, qui ne savent même pas lire la Fatiha. La Fatiha. Tes enfants ne connaissent pas. Tu dis, mes enfants vont aller à l'école des Blancs. Ah, mon enfant a fait une belle récitation aujourd'hui. Mon enfant a des moyens très élevés. Il est très, très intelligent. Allah Azza wa Jal t'a donné de beaux enfants en te disant de les éduquer sur le chemin de la droiture qui est ta religion, l'islam. Maintenant, depuis que tu as mis cet enfant au monde, tu es en train de l'élever. Tu gaspilles des millions d'argent, des milliers d'argent, pour qu'ils suivent une éducation de ce monde d'ici-bas. Allahu Akbar. Ton enfant ne sait même pas prononcer La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous qui êtes en train de me regarder, appelle ton enfant dans ta maison, approche-le, demande-lui de prononcer La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne pourra pas. Parce que tu ne lui montres pas ce droit, ce chemin. Tu ne lui as rien montré. Ce que tu lui as dit, il faut étudier pour être ministre. Il faut étudier pour être un cadre demain, pour que tu puisses t'occuper de toi-même, de ta famille, pour réussir ta vie. Qu'est-ce que tu as fait ou que tu devrais faire pour que ton enfant réussisse sa vie d'ici-bas et de l'au-delà? Dieu t'a donné une bonne femme. Dieu t'a donné un bon mari. Dieu t'a donné de l'argent. Dieu t'a donné la santé. Dieu t'a donné une belle maison. Dieu t'a donné le pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu en retour? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu en retour? Allah Azza wa Jalla. Rien du tout.
Rien du tout. Maintenant, tes enfants sur lesquels tu te vantes aujourd'hui, sur lesquels tes amis te disent « Ah, ton enfant là est intelligent, ton enfant là est beau, tu as de beaux enfants, tu as une belle famille. » Est-ce que cette famille même, tu es en train de les conduire sur le chemin que Allah t'a exhorté de faire? Non. Ces rappels, les millions de personnes qui font les rappels à travers le monde par rapport à la religion musulmane, tu ne les écoutes pas. À plus forte raison, tes enfants ne les écoutent pas. Tu as un abonnement de TV spécialement pour les dessins animés pour tes enfants. Un abonnement de TV pour les dessins animés pour tes enfants. En disant que oui, c'est les dessins animés qui donnent de l'intelligence à l'enfant. Les dessins animés qui donnent de l'intelligence à l'enfant. Regardez tous les enfants qui ont appris le Coran. Regardez tous les parents qui ont appris à leur enfant la lecture dans le Coran et le Karim. Ces enfants sont 10 000 fois plus intelligents que les enfants qui passent leur temps à regarder les dessins animés à la télé. 10 000 fois plus intelligents. Parce que le Coran et le Karim leur purifie le cerveau, leur met sur le droit chemin et les protège de toute tentation obscène de cette vie d'ici-bas. Maintenant, tu as de l'argent, tu as la belle maison, tu as les papiers, tu as des beaux enfants. Allah t'a donné tout ça sans te demander en contrepartie quelque chose en contrepartie. Seulement que d'accomplir tes 5 prières obligatoires. Tes 5 prières obligatoires. Maintenant, comment Allah va nous montrer que l'éducation de cette vie d'ici-bas que tu es en train de donner à ton enfant, que ce n'est absolument rien du tout, que c'est seulement du vent. Comment Allah va te le montrer? Regardez comment Allah va te le montrer. Allah m'a sémé avec Yann. Il a dit sur le fauteuil et collé. Il a souri. Dessin animé. Tu dis, Arar et l'Irafan. Maintenant, tu t'investis avec toute ta richesse que Allah t'a donnée. Tu t'investis pour que tes enfants suivent la bonne éducation d'ici-bas, sans les mettre sur le chemin que Allah t'a exhorté de leur montrer. Il ne connaît pas lire Al-Fatiha, il ne connaît lire aucun verset. Maintenant, comment Allah te montre que l'éducation que tu as donnée à ton enfant, que c'est nul et non avenir pour lui? Comment? Ton enfant va grandir. Il va grandir. Il va grandir. Arrivé à un certain âge, il ne t'écoute plus. Il ne t'écoute plus. Quand tu lui dis « fais A », il fait B. Quand tu lui dis faire B, il fait Z. Et tu n'as pas appris à tes enfants le chemin d'Allah, la lecture dans le Coran. Il ne connaît aucun verset. Cet enfant-là sort. Il se rencontre avec des choses bizarres, des diables que lui ne voit pas ou qu'il voit, qui le conduit dans l'égarement total de la vie d'ici-bas. C'est comme ça que Dieu nous montre
que l'éducation qu'on doit donner à nos enfants, c'est l'éducation islamique, la voie islamique. Toute éducation que nous devons donner à nos enfants, c'est l'éducation islamique. Maintenant, les autres éducations doivent suivre derrière. Les autres éducations d'ici-bas doivent suivre derrière. Maintenant, ton enfant ne t'écoute plus. Il fume de la drogue. Il fume la chicha. Si c'est une fille, elle part de coucher. Elle est avec les hommes. Elle parle avec qui elle veut devant toi. Tu n'as pris, c'est-à-dire, tu n'as plus aucune maîtrise sur elle. Aucune maîtrise sur elle. Parce que tu ne lui as pas donné l'éducation d'Allah. Elle ne peut pas te respecter. Il ne peut pas te respecter. Il ne peut pas t'écouter. Parce que la base s'est déjà gâtée. Maintenant, ton enfant est en train de te montrer l'éducation sur laquelle que tu as financé. L'éducation sur laquelle que tu as financé toute ta vie. Jusqu'à ce qu'il devienne, qu'il atteigne la majorité. Tu t'es investi dans ça, durablement. Ah, mon enfant est chez les blancs. Il faut qu'il prenne le système blanc. Ah, moi, mon enfant, c'est un blanc. Hein? Tu te vends de ça. Mon enfant, c'est un blanc. Maintenant, l'investissement que tu as fait pour que ton enfant soit investi dans l'éducation occidentale, il te retourne l'appareil. Comment? À ne plus t'écouter, à te dire en face que vous avez tous les mêmes lois. C'est pourquoi nous sommes là à voir tout le temps qu'un enfant a porté plainte contre sa propre maman. Est-ce que cela existe dans la religion musulmane? Non. Non. Tu ne peux pas éduquer ton enfant dans le Coran al-Karim et qu'un jour, cet enfant-là, regardez tous les enfants qui ont appris le Coran, il a subi l'enseignement, il a grandi avec cet enseignement qui dit respecte tes parents, respecte tes parents, écoute les paroles de tes parents, écoute les conseils de tes parents. Ne manque pas de respect à tes parents. Maintenant, il n'existe dans aucun enseignement de ce monde ici-bas, des Occidentaux, qui dit que l'enfant, tu dois écouter tes parents. L'enfant, tu dois respecter tes parents. Il est dit dans cette éducation occidentale que les parents ne doivent pas trop stresser les enfants, sortir comme si, par-ci, par-là, jusqu'à ce que l'enfant a le droit de porter plainte contre sa propre maman, qui a fait 9 mois à le supporter dans son ventre, des années à l'élever, les millions d'insomnies, parce que quand l'enfant est malade, la maman ne dort pas. Quand l'enfant est malade, le papa se décharge pour lui. Maintenant, nous sommes en erreur. Nous devons écouter la voix d'Allah. Tout ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas ma voix, c'est la voix d'Allah. Tu ne vas pas m'écouter parce que c'est moi qui parle. Tu m'écoutes parce que c'est la voix d'Allah que je suis en train de vous dire. Maintenant, aujourd'hui, tu as des enfants, ils sont grands, beaux, bien arrêtés, qui ont même le pouvoir de toi, le parent, de te chercher de la maison, parce que la maison leur appartient maintenant. Qui ont même le pouvoir, toi, le parent, de te chercher de la maison. Apprenons, mettons nos enfants sur le chemin de la vérité, le chemin de l'islam,
qui est la vérité. Qu'est-ce que l'islam a dit de mauvais dans la vie sociale? L'islam n'a jamais rien dit de mauvais dans la vie sociale. L'islam dit, aimez-vous les uns comme les autres, car vous êtes tous égaux. Respectez vos parents, respectez vos aînés, accomplissez la salate, ne buvez pas de l'alcool, ne fumez pas de la drogue. Pourquoi? Parce que boire de l'alcool te met hors d'état de toi. Et toute chose qui met l'être humain hors d'état de toi-même, cette chose n'est pas bonne pour toi. Parce que quand tu bois de l'alcool, tu ne peux plus contrôler ton âme, tu ne peux plus contrôler ton esprit, tu ne peux plus contrôler ton corps. Oui. C'est pourquoi l'islam interdit l'alcool. C'est pourquoi l'islam interdit la drogue. Parce que quand tu fumes la drogue, tu n'es plus toi-même. Et il y a des gens qui disent que moi, si je ne bois pas l'alcool là, je ne me sens pas à l'aise. Si je ne fume pas la drogue là, je ne me sens pas à l'aise. Délaisse tout ça. Car ton Seigneur a dit que toute âme, tout esprit, tout corps qui n'est pas contrôlé, c'est-à-dire tout esprit, tout corps qui n'est pas contrôlé par l'âme, n'est plus sur le chemin d'Allah. En buvant l'alcool, c'est pourquoi nous voyons beaucoup de personnes, des femmes, des hommes, quand ils ont bu l'alcool, ils commettent des choses qu'ils ne devraient pas faire. Quand ils ont fumé la drogue, ils commettent des choses qu'ils ne devrions pas faire. Mais c'est en buvant l'alcool et en fumant la drogue qu'ils font ces choses. Parce que l'âme et l'esprit et le corps ne sont plus dans un état à se contrôler. Ça ne se contrôle plus, c'est mélangé. Donc, donnons la mauvaise éducation à nos enfants, surtout pendant ce mois de Ramadan. Montre à ton enfant que tu es musulman. Montre à ton enfant que d'où tu viens. Montre à ton enfant ta religion. Montre à ton enfant, apprends à ton enfant à lire la Fatiha. Apprends à ton enfant à lire les versets coraniques. Ça le sauvera des djinns kafres. Ça le sauvera des mauvaises choses qui sont des millions dans les divers pays. Des millions. Vous allez voir, ton enfant d'un beau matin, tout ton investissement que tu as mis sur lui pour que son éducation réussisse, arrivé à un certain âge, il devient drogué. Arrivé à un certain âge, il devient alcoolique. Maintenant, tu vas appeler les gens, tu vas appeler les gens pour qu'ils t'aident à ce qu'il soit normal, comme il était avant. Ça aussi, c'est d'autres dépenses que Dieu. C'est d'autres combats que Allah te met. Tu finances sur ton enfant pour qu'il étudie. À regarder seulement que les dessins animés. À acheter des jeux vidéo. La dernière jeu vidéo, PlayStation 5, tu as acheté ça pour ton enfant. Est-ce que tu as acheté la dernière jeu vidéo PlayStation 5, ça coûte dans les 700-800 euros. Tellement que ça manque, les gens ont vendu jusqu'à 1500 euros. Tu es parti acheter la dernière jeu vidéo PlayStation 5 pour donner cadeau à ton enfant. Est-ce qu'un jour tu as acheté Coran qui coûte 10 euros, 10 euros ou 10 dollars ou 100 000 francs guinéens pour donner à ton enfant. Même si c'est en français. Tu ne l'as pas envoyé à l'école coranique au bas âge. Ça va, c'est bon. Il est devenu grand. Achète un Coran en français, comme c'est le français qu'il sait lire. Donne-lui le Coran. Ça va le purifier. Ça va le purifier. Mais
Si tu laisses jusqu'à ce que ton enfant devienne majeur, tu n'auras plus jamais le contrôle sur lui. On ne peut contrôler un enfant que quand c'est un enfant. Mais si tu laisses jusqu'à ce que ton enfant devienne majeur, wallahi, ibara perdinara. Ibara je sarigorogoy sarigadibe. Dougi sarigorogoy, des habits chers. Saussures sarigorogoy, des saussures qui coûtent cher. Il y a maririma loro, il y a photo sam. Igundi dougi sarigorogoy saramayetebe. Est-ce que tu as acheté un jour le Coran qui coûte 15 euros, 20 euros, 10 dollars, 15 dollars? Tu as acheté un jour le Coran pour lire, pour dire à ton enfant, pour appeler tes enfants, venez, on va lire le Coran, ça c'est ma religion. Venez, on va lire le Coran, ça c'est ma religion. Astaghfirullah. Voyez, baratina. Donc, c'est cela qu'on doit faire. Wallah ma wonana naba. Il m'a tingri mané. Il radé ma tingri. Il radé mbaya ma tingri. Nathan, il n'a pas été comme voici de son nom. Allah bara dounye rere birin sonyi. Aman bara fere fan sonyi. Ma de mbaya ba. Ntamba. Mumbiri ma tingri nge dine kirayama. Isa mané fara. Eko nisa yili kui. Eko nyekhembelege. Mais Rémi Khadé Matin, dîner l'islam. Et Khadé Mbaya Matin, dîner l'islam. Et ça, mané, rouni sa yili kui, rouni mokhembelima. Bah, eradi l'oudounien. Il a ra l'oudounien. Et t'en a rafara. Eradi l'oudounien. Ayembe yari nan mima. A drogue nan mima. A bere nan mima. Et rouni moussari yili. Et rouni mokhembeli yili. Ba ala na handu diso me riyoyi a firine ima era eduke dine l'islam. Eto mu iradi eduke dine l'islam. Eto mu dine ma senga be. Inu fara iradi bere na mema. Anyene na nabama. Amunye na ntima. Inu fara. Ero nyimo kembeli majili. Ton âme ne sera jamais en paix. Ton âme ne sera jamais en paix. Suivons la voie d'Allah. C'est celle-là la meilleure. Tu peux être dans tout. Tu peux être dans tout, mais à ne pas manquer ta prière. À ne pas manquer ta prière. Tu peux être dans tout, hein, mais que la maîtrise des 5 prières soit à ta guise. Ça te permettra de délaisser les mauvaises habitudes. Ça te permettra de ne plus reprendre la fornication, les choses que tu faisais avant. C'est tout. Quand tu pries, tu édites ton enfant, ta famille, ton entourage sur la religion. C'est-à-dire, quand tu éduques ta famille, ton entourage, sur la religion. Ah! Ton âme sera en paix. Ton esprit sera en paix. Ton corps sera en paix. Après ta mort. On voit beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont dans les rues, qui font tout. Parce que quoi? Leurs parents ne les ont pas éduqués avec l'éducation islamique. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, le rêve d'un parent, de beaucoup de parents, c'est acheter des jeux vidéo et faire plaisir à son enfant. Pendant que son enfant ne sait même pas lire la Fatiha. Donc, frères et sœurs, le Ramadan, c'est un mois que nous devons nous fixer des objectifs. L'année passée, je n'ai pas éduqué ma famille sur ma religion. Tes enfants, tu t'en fous parce que tu les as eus en Europe, tu les as eus aux États-Unis, tu les as eus en Asie. Tu ne les as pas eus là où ta famille vivait. Donc, tu te dis maintenant, je ne peux pas forcer à mes enfants de gêner. Quand ton enfant a l'âge de gêner, montre-lui que ta religion est musulman, que tu es musulman,
que tu es dans la religion islamique et que ta religion dit que d'éduquer ton enfant sur la voie islamique. Mais ton enfant est né en Europe, aux États-Unis, en Asie, dans les pays développés. Maman, c'est quoi le Ramadan? Ah, non, non, laisse ça. C'est pas bon pour toi, c'est pour les grands. Non. Il te pose la question, maman, c'est quoi le Ramadan? Papa, c'est quoi le Ramadan? Dis-lui, explique-lui pour que ça reste dans son esprit. Qu'à son âge, quand il aura l'âge de gêner, qu'il va gêner. Apprenez le Coran à vos enfants. Ça va les sauver. Vous allez les sauver. Vous allez les sauver. Mais si un enfant ne connaît rien dans l'islam, il ne peut pas voir un djinn kafir venir vers lui et se protéger. Et aucun ou aucune chose ne peut nous protéger du diable si ce n'est pas le Coran. Aucune chose. Ton enfant, il voit le diable qui vient vers lui pour le posséder. Il dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Bro, le diable le possède. Il rentre chez toi. Quand tu lui dis A, il dégage les choses ici. Il casse les choses ici. Il ne t'écoute pas. Il t'insulte. Il est possédé. Comment il va être dépossédé? Il ne peut pas être dépossédé parce qu'il ne connaît aucun mot du Coran. Il ne connaît rien. Mais quand tu éduques ton enfant sur la voie islamique, ah, tu l'apprends à lire les versets, les sourates du Coran. Il voit le diable. Dire seulement le verset, le début du verset seulement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ayat al-Kursi. Allahu la ilaha illa wa. Dire ça seulement, ça coupe la tête du diable. Avant de continuer sur tout le verset, dire ça seulement. Allahu la ilaha illa wa. Wal khayru khayru. Allah nous facilite. Dire ça seulement. Ça coupe la tête du diable, quel que soit le bokiyoki. Et Mouiradi Matinkang, ce sera à nous. Verset Coran Senana. Et Bakintanara. Et le Seigneur et toi, y'a de Kanatanga. A noa sama, y'a de Kanatanga. Aya dal gourzi, a volé kansang. Et nous n'avons pas la barat. Seigneur, Mirinariba. Ni Nenariba. A la barat, on y boulot. Allah barasan sa yita otay. Afala fe kansa. Allahu la ilaha illa wa. Wal khayru khayru. La ta khuzuhu sinatu. Wa la lahu lahu ma fi samawati wa ma fi l'arj. Man yallaji yashfahu illa wa illa bi izni yalam ma bayin aidi wa ma halfahu. Wa la yahiduna min shari min ilmi illa bi ma shah. Wa siya kursi wa samawati wa l'arj. ولا يهودوا يبزغما ولا ليل الخسين عزيز صدق الله العظيم